l'histoire de Sifouna Hassan, ancienne journaliste de la chaîne 3, qui était chargée par mon administration et par mes orientations vers la culture. J'aimais bien ce créneau. Le patrimoine, c'était quelque chose qui avait été longtemps négligé dans la sphère médiatique. Voilà, je me suis engagée dans cette bataille, si on peut dire. Et ça fait combien de temps que tu travailles sur l'artisanat, l'art, la culture ? Oh, là, ça, je compte pas les années. Hein. Une trentaine d'années. Je suis encore, j'apporte un peu ma contribution d'une manière modeste, certes, parce que je ne suis plus dans le média public. Mais ceci étant, je suis là, dès qu'il y a un événement, j'y vais. Dernièrement, j'ai été... dernièrement, c'est peu dire, hein, ça fait 3 ou 4 ans, comme présidente de jury, une grande rencontre au Palais de la Culture sur le thème de la récupération. Et il y a eu des artisans un peu partout. J'étais agréablement surprise parce que ce n'est plus le profil des artisans traditionnels effacés. Qui avaient peur de se montrer, qui n'osaient pas parler, c'était des dames, certaines universitaires. Hein. Donc, les femmes aujourd'hui prennent à bras le corps l'artisanat. Elles travaillent avec des femmes traditionnelles, qui elles maîtrisent le sujet, parce que le milieu, c'est le leur, elles l'ont hérité par leur mère, par leur grand-mère. Et celles qui viennent, soit elles travaillent en tandem avec elles, une façon pour elles de faire aboutir leur produit à un point de vente, à le faire connaître, etc. Ou bien d'autres jeunes filles qui, elles, sont dans la créativité, qui vont chercher de nouveaux créneaux qui n'existent pas, comme par exemple les bouquets fleuris. J'ai vu franchement des merveilles. Cette dame, elle a eu un prix. Et grâce à ce prix, grâce à cette médiatisation qu'il y a eu, dans le moment, parce que c'est très factuel, ça lui a permis d'être connu par un hôtel qui l'a sollicité pour lui faire beaucoup pour le pont. C'est quelque chose d'extraordinaire, très raffiné en plus. Alors, par rapport au travail que nous sommes en train de faire là, en tant que Rezart et l'artisanat et l'art, de temps en temps, on fait une petite recherche par rapport à ce qui existait avant, parce qu'on a toujours travaillé entre tradition et modernité. On a travaillé sur le recyclage parce que c'est une matière première qui existe. La modernité, c'est quoi ? La modernité n'est pas venue comme ça, elle est ex-nihilo, elle émane de la tradition. La modernité se nourrit de la tradition. Il faut que les gens le comprennent. C'est pour ça que nos artisans commencent à prendre conscience de leur rôle. Elles commencent. Parce que longtemps, elles ont le noir. Je ne dis pas dans l'ombre, dans le noir. Je te donne un exemple concret. J'étais une fois à Ouarkla, et un collègue, un confrère m'a dit quand on est dans la culture, je viens faire un reportage sur les brodeuses de Ouarkla. Personne ne les connaît, personne. Ah, quand j'étais dans un réduit où il n'y avait pas de lumière. Et elles avaient des commandes, elles avaient de très très belles commandes. Écoutez, je n'étais pas programmée pour faire ça. Elles m'ont fait pitié. Franchement, elles m'ont fait pitié. J'ai vu leur travail. Leur travail, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est simple. À un moment donné, je ne savais pas où était l'envers par rapport à mon bras, tellement c'était très bien fait. Donc, j'ai essayé de faire ça avec un micro. Hein. De faire un reportage sur elle, je l'ai fait, et puis passera à la radio. J'ai mis un temps fou, je dis bien un temps fou, pour faire parler les images que j'avais vues, parce que c'était impossible de décrire les belles choses. Donc j'ai travaillé, retravaillé, et j'ai fait quand même mon reportage, et j'ai une collègue, à la fin du reportage, une collègue qui m'appelle et qui me dit, Hassan, j'ai horreur de la broderie, tu m'as fait aimer. Alors là, je lui dis, c'est la plus belle récompense, c'est l'âme de voir ça. Voilà.
Donc, Fella Hassan, tu es d'accord avec moi que les artisans et les artistes algériens, parce que j'ai fait une petite recherche sur Internet, on voit qu'il y a une majorité d'hommes par rapport aux artistes. Hein, depuis l'indépendance, on a Une souvent. majorité d'hommes, je dirais non. La différence, parce que les hommes sont plus visibles, les femmes sont cachées. Bon. Donc, c'est Elles une sont dans culture, l'ombre. Yannis, c'est une culture algérienne ou Voilà. une. Voilà. Maintenant, ça commence. Ça commence à sortir un peu C'est-à-dire, c'est une culture où là, par de pudeur, ce métier. c'est une culture par pudeur où les femmes. Par pudeur, non, pas uniquement par pudeur, par infrastructure, qu'elles travaillent chez elles. Les gens ne rentrent pas chez les gens. D'accord. Et donc, mais maintenant qu'il y a maintenant le, qu'il y a maintenant Ah oui, il y a un le. peu plus de visibilité, il y a beaucoup, beaucoup plus de visibilité. Elles se Voilà. montrent. Et puis en plus de ça, ce n'est plus du tout traditionnel, c'est leurs filles qui prennent le flambeau. Et les filles, certaines ont compris. Tu te souviens, tu étais avec moi quand tu as eu le festival au Bastion 23 sur les tapis. Et on a vu que même la matière première n'était plus la même. C'était du synthétique, c'était Oui. des colorants oui, artificiels, chimiques. Et Oui. l'objet de cette rencontre, c'était de revenir à la tradition. Les colorants naturels, la fibre naturelle, soit le coton, soit la laine. Eh ben, Surtout, les femmes sont surtout que l'Algérie était classée quatrième au monde par rapport au tapis, non? Si je... oui. Alors là, le tapis en Algérie, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque. Chaque région a son tapis. Oui, parce que c'est de l'art et de Extraordinaire. l'artisanat en même temps. Ah oui. Ah oui. Et en Et plus, le tapis, c'est une lecture primordiale. voilà, c'est une communication féminine, comme on Ah oui. disait nous. Ça vous indique la figure, ça vous indique la région, ça vous indique plein de choses. Et ça, il faut le savoir. C'est des messages à travers le dessin du tissage, etc. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font institutionnellement et même par les femmes artisanes. Les efforts ont été reconnus. Et ça, on ne peut pas le enlever. C'est durant le mandat de Khalid Atoumi. Mais. Ça, les efforts. Durant le mandat de Khaled Atoumi. Ça, on ne peut pas le lui enlever, c'est indéniable, ça a été ses initiatives. Bon, mais bon, Et ça continue. la culture et l'art, ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. C'est Non, l'histoire de non, non, toute. c'est une politique. C'est une politique d'abord. S'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. L'art était considéré comme rien. Rien. C'était pas important. La culture n'était pas importante. C'est à partir du moment qu'on a eu un ministère de la culture que la culture a commencé à être un peu considérée. Et par rapport aux efforts de reconnaissance, parce que c'est ça qu'on va dire, Oui, et les efforts institutionnels, et les il y a eu des efforts... prix, il y a eu des promotions, il y a eu. Non, non, il y a eu pas mal de choses. Elles ont été. Ces artisans sont passés à la télé, à la radio, les différentes radios, les différentes télés. Et ça, ça a été médiatisé. Ça valorise, ça redonne de l'estime de soi aux personnes qui pratiquent Et... ce métier, mais aussi à la culture d'une manière générale pour l'ensemble des Algériens. Et par rapport, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à leur visibilité, tu es d'accord avec moi qu'il faudrait encore faire des efforts à leur visibilité sur Internet, sur la toile? C'est pas moi qui dirais non, hein. Elles en ont besoin. Elles ont besoin d'un coup de projecteur. Elles ont besoin d'être connues, d'être visibles. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une médiatisation. Les gens qui ne sont pas visibles n'existent pas. Et qu'est-ce que toi tu penses des femmes artistes, artisanes en général que tu as fréquentées depuis que tu fais ce métier? Eh ben, elle commence à se l'approprier. Elle commence à se l'approprier. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était un héritage, c'était bon, c'était une charge. C'était une charge. Pour elle, c'était pas valorisant. C'était le métier de la grand-mère, le métier de la mère, c'était une lettrée qui n'était pas travailler pour survivre, et puis pour apporter un peu le quotidien traditionnel.
Fila Hassan, je te remercie d'avoir donné ton avis. Eh ben, c'est une toute petite contribution et elle va participer à apporter plus de lumière sur notre artisanat. Eh ben, je dirais qu'on aura mis encore une petite pierre à l'édifice. Super. Nous, en tant que Rezart, on essaye de travailler sur cette image. On a fait beaucoup de formations, etc. C'est très, très important. Et moi, dès que j'ai l'opportunité de le faire, je le fais.